graphiste, ami des zones humides et de la peinture à l'huile, bonsoir. Et voici ce soir réuni au collectif E3 pour célébrer l'art sous toutes ses formes. Un art cru, un art sachet. Un art qui pique parfois, tel le wasabi avec lequel les samouraïs enduisaient leurs sabres. C'est dans le wasabi que les artistes de ce soir ont trempé leurs plumes et leurs pinceaux. Il est en effet puissant cet accrochage. Il nous chope, tel un hameçon attrape sa proie pour lui faire quitter son univers tranquille et fluide. L'amener vers un nouvel univers, celui de l'air, celui du feu. Bienvenue chez les humains Fishman. Toi qui es une créature double, héros aux écailles gluantes, toi qui es sans doute le chaînon manquant, qui nous relie à notre mère, la mère Fishman, je suis ton frère. Où est mon frère? Moi, dont la mémoire est rapidement... Fishman, je suis ton frère. Moi, dont la mémoire est rapidement... Fishman, je suis ton frère. Moi, dont la mémoire est rapidement... Bon, Fishman, tu erres telle une créature échouée dans nos villes silencieuses, passantes. Je suis de la tribu des Poiscailles. Descends, si t'es un humanoïde. J'ai un processeur Intel. Tu as peur, hein? Je reviendrai avec les vers. Nous observes-tu? Serais-tu une ombre sensible que l'on oublie en suivant le fil de nos désirs? Tu as en tout cas toute ta place au sein de mon cabinet au ministère de la créativité. Tu es en effet une illustration parfaite de l'étape réflexive que nous devons vivre avant de générer des idées. Le silence de l'entre-deux. Entre la réalité et l'imaginaire. Cette phase durant laquelle il faut se laisser porter par un souffle, inspiré par une vague intuition, puis surfer l'idée vague avant qu'elle ne s'écrase sur la grève et efface un cœur dessiné avec un bâton. Ce soir, Fishman, tu nous offres une déambulation d'œuvre en œuvre, de proposition en proposition. D'œuvre d'art en déclinaison de ton image. Continue à être cette silhouette inquiétante afin que notre esprit continue à s'intéresser à l'étrange, au bizarre et à l'art. Je déclare officiellement ouverte l'exposition Fishman. Vive la créativité, vive la République et vive l'art franc. Bravo! Papa, je vois le bouquin. Sur Bordelais, je vous demande encore un tout petit moment de patience. Je suis très heureux de retrouver mon ami et cet artiste merveilleux qui est Renaud Bargue. Car à chaque fois, on lui met un papier, un petit peu d'encre noire dans les mains et on fait quelque chose de merveilleux. Alors qu'un poulpe, on met un poulpe sur un papier, il a de l'encre de Chine, c'est rien qui fait, rien, de la merde, hein, de la merde. Alors que Renaud, c'est toujours merveilleux. Vas-y, souriens, danse. Voilà, parce que je suis souvent en entreprise là. Aujourd'hui, j'étais encore. Ils se sont arrachés du type au franc. Regarde-moi, voilà, la vision. Chacun prend une partie de l'œuvre de Thibaut et va l'offrir à quelqu'un d'autre. Il va offrir en écrivant un mot derrière. C'est trop fort.
nouvelles variétés avec des couleurs plus vives. Quand je suis un ministre qui vit de sa propre activité professionnelle, je ne suis pas un exo-ministre. Je ne suis pas payé en tant que ministre, donc je fais ça gratuitement, bénévolement. Voilà, c'est mes clients. Ça devrait être le cas pour tous les ministres, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, donc j'interviens, je viens avec mon ruban rouge, ma cravate, ma chemise et mon veston. Alors, si tu te représentais peut-être. Ben, je vais me représenter. Rémi Sabourot, ministre de la créativité et des cacahuètes dans la bouche. Comment elles étaient les trucs ? C'est vrai que c'est pas facile, non mais attends, je lui envoie une autre. Pas mal. Wow, la classe. C'est le fishman le plus classe. Waouh. C'est la fishman. C'est le fishman musical. Excellent. Ça marche. C'est la victoire du jour.